Quelque chose en tout Tennessee. Bon, on va pas chanter du code Johnny, hein. C'est bien un hommage là que je veux faire. Bon, c'est plus un hommage que je vais faire. Là, tout simple. Je vais faire un petit truc. Bon, normalement, je devais présenter quelques vinyles. Et le petit souci, c'est qu'il faut les déblayer des cartons. Bon, alors moi, j'ai pas envie de déblayer des cartons. Donc, alors, je vais faire un petit truc à moi. Un petit truc à moi, tout simplement. Des chansons qu'ils ont fait une petite histoire. Ah, des chansons qu'ils ont fait une petite histoire. On va commencer quelque chose comme ça. On va essayer de voir si on peut essayer de nous comprendre. Hein. Alors, les chansons que je vais interpréter, c'est sans musique, sans rien. Et donc... Donc, tout simplement, trouver un truc superbe. Donc, je vais essayer de faire quelques chansons qui ont fait un peu l'histoire. Au moins, je l'espère. Parce que je ne suis pas, comme je le dis un peu souvent, je ne suis pas chanteur. Ni papa chanteur, ni maman chanteur, ni quoi que ce soit. Bon. Alors, on va commencer en 1980, c'est marrant, à Coco. Non, c'est pas à Coco. En 1980, je mets mon premier enregistrement que j'aime beaucoup, que j'adore. C'est Sweet Dance du groupe. J'aime bien dit du groupe. Break Machine. Three dance, three dance, double double daddy, three dance. Tonio, tu sais pas chanter, faut arrêter de chanter. Ma fou! Ah, j'en ai ras-le-bol de vos conneries. Bah oui, c'est tout simplement la chanson de Break Machine que j'aime beaucoup. Après, en 1981, il y a une chanson qui... que ça a beaucoup marché, si je me trompe pas de la date. C'est vrai que c'est pas très facile à reconnaître les chansons, faut avoir une sacrée mémoire quand même de la chanson. Alors aussi, un petit groupe qui a bien cartonné aussi, c'est bien sûr... Voilà, ça c'est déjà, c'est tout simple, Cool and the Gang. Voilà, bien sûr le titre. Bon, bref, hein, bah, oui, hein, voilà. Donc ça c'est la deuxième chanson de ce que j'aime bien. Et après, il y a, en 1982, il fait une petite apparition, c'est, ça commence à venir. Ah, bien sûr, il est déjà connu, très célèbre. Et bien sûr, il va nous chanter... Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Ma gueule te revient pas. Bah oui, ta gueule te revient pas. Voilà, Johnny Hallyday, je le mettrai un peu dans les troisièmes, dans le niveau troisième des années 80. Bien sûr, Quoi ma gueule, elle a été chantée en 1976, 1977 et 1979 et 80, 81, 82. Bon, bien sûr, à un certain moment, il a fait un carton, donc comme d'habitude, certaines chansons ont été rééditées. Donc voilà. Que les fans. Voilà. Donc c'est pas une question d'hommage, c'est qu'il y a beaucoup de chansons que j'ai beaucoup aimées personnellement. Donc et qui est dommage, je peux pas tout sortir. Tout sortir ce que j'ai. J'ai même des boîtes qui a beaucoup de CD.
quelque chose. C'est une boîte de téléphone de Nokia. Vais vous faire sortir. Voilà. Voilà, je vous dis. Hein. Il y a pas mal d'artistes que j'ai en CD. Donc si je fais tout. Voilà, si je fais tout, bah, on n'aurait pas fini. Donc, bien sûr, j'ai une sélection assez énorme. Faut dire tout simplement que j'en ai pas mal. Normalement, j'en ai quatre comme ça. J'en ai trois boîtiers de chez Orange avec le LG U8150. J'ai aussi sur le téléphone Nokia N95, je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai ce petit Nokia aussi. Bon, bref, la majorité de mes trucs que je garde, bien sûr, bah, ils sont dans leur CD, dans les boîtes comme celle-ci. Donc, je vous viens de faire montrer à l'instant. Donc, alors on continue toujours. Donc, je vais la déposer un peu parce que celle-là, ça va me. Voilà, comment dire. Je suis pas papa chanteur, tonton chanteur. Voilà. Après, en 83, bien sûr, il y a notre petit Michael Jackson qui a fait Thriller, qui a bien cartonné. Mais dans l'album de Thriller, ce n'est pas Thriller qui m'a attiré le plus, c'est Bilan, bilan. Voilà, tout simplement, c'est celle-ci qui m'a fait plaisir. Et donc, après, en 84, bien sûr, en 84, en 84, il y avait quand même pas mal d'artistes. Hein, il y avait même d'autres artistes qui étaient déjà morts, mais qui a été. Rick Petit. Voilà, il y a Rick Petit aussi qui a été fait un carton en 84, malgré qu'il n'y a pas que celui-là. Bon, c'est mon classement presso, hein, c'est pas mon classement, c'est pas le classement général officiel du top. Donc tout simplement, bien sûr, dans le 83, il y avait aussi, pour moi personnellement, il y avait aussi mon ami, mon groupe favori, qui est ZZ Top, bien sûr. Avec l'album, c'est pas mal celle-là. Waouh! J'ai oublié le nom de l'album. Oh mon Dieu Seigneur. Bon, bref, c'est pas La Grange. Hein. La Grange, elle a un peu plus. Elle est en 85, l'album. Mais bon, c'est pas ça. C'est que. Bon, bref. Oh. Ah! Que je t'aime. Je ne suis pas un héros. Eh oui, je ne suis pas un héros, bien sûr. Je n'ai jamais été un héros. Parce que c'est des petites chansons qui me passent comme ça. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Da 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 da. Paradis, badi, badam. Badi Ah, c'est bizarre. Ah, c'est bizarre. Bon, bien sûr, voilà, c'est. Ah, que moi, non, ah, pas que moi, non. Ouais, bah, en même temps, j'ai une petite information. Hein, c'est vrai que je pourrais voir comment je vais faire pour essayer de mettre un peu d'ambiance. Ma guitare, je l'aurai dans la semaine qui arrive, donc la semaine prochaine, pour ceux qui comprennent. C'est un petit problème, c'est que reprovisionnement certains appareils, voilà. Partir la guitare à moi, la guitare à moi, elle est pas mal. Moi, je la trouve pas mal. Hein. Moi, c'est personnel. Hein, bien sûr, moi, c'est Fender.
Europa, ça c'est pas mal, ça aussi comme musique. Ouais, bah, allez. Pas mal, pas mal. Mais bon, faut dire hein, qu'il y a beaucoup de chansons qui sont pas mal, mais tous ces encadrés comme ça, donner une date, des trucs bien, voilà. Ouais, c'est pas facile, mais bon. Alors, faut dire, en 80, hein, j'en reviens un peu à la première, en 80, il y a aussi ACDC que j'ai beaucoup aimé. Eh oui, ACDC. Après, t'entends le son de la gratte. Moi, ça, c'est mon groupe. Là, là. Bon, il y a plein de artistes. Alors, donc, en gros, il n'y a pas de classement général chez moi. Il y en a, comme tu dis, après, j'ai des coups de cœur et des chansons qui sont bien. Alors, bien sûr, les chansons que j'aime pas, n'en parlons pas. Parce que c'est des chansons que beaucoup de personnes aiment bien écouter. Et c'est de la merde comme tout, comme des papillons. Alors, quand on parle de musique actuelle ou des musiques anciennes, pour moi, il y a toujours du pipeau musical. Toujours. Mais il y a aussi Ça plane pour moi. Alors, Ça plane pour moi, ça c'est bien sûr 179. Voilà. T'es dégueulasse. T'es dégueulasse. Arrête de faire des conneries comme ça. Et en 80, en 83, 84, 85, bien sûr en 85, il y a d'autres chansons qui viennent. Après, il y a plein d'autres chansons, il y a plein de filles. Bon, ah, bien sûr, pourquoi je mets pas Claude François, malgré qu'en 88, ouais, 88, il y avait Claude François qui était revenu. Tant qu'il y revenait, je crois bien que j'arriverai. Tout dit une reine, un petit coin perdu, très loin dans la ville. Alors, bien sûr, remixé, 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 vraiment remixé. Là, c'est vraiment une chanson que j'ai bien aimée. Alors, c'était bien sûr, c'était mon premier CD de Clo-Clo. Mais pas Claude François en lui-même. Il a été remixé, bien sûr, interdit d'être en vente par la cause des enfants de Claude François. Ah ben, pour moi, tout ça, bof, ouais. Moi, je suis un peu spécial en musique parce que j'ai des coups de cœur. Et les coups de cœur, j'aime bien. Les ceux qui ne m'intéressent pas, bah, c'est comme tape 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 sur les mains. Ta titi ta titi ta titi. Hein, tape tape sur les mains. Comme le groupe nul là. Non merci, c'est pas trop mon truc. Elle ne sera jamais mon truc. C'est ça le problème, c'est que moi je m'intéresse pas du tout à ce genre de musique. Je me suis jamais intéressé à ces genres de chansons stupides. Bah, la clientèle, par contre, ils aiment bien. C'est tout, c'est pas leur faute, mais c'est parce qu'ils sont encore des enfants à leur âge. Qu'est-ce que vous voulez? Ils se croient encore à 2 ans. Voilà. Mais moi, c'est moi, c'est moi, moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. 30 millions de Chinois qui font coin, 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 coin. Ouais, 30 millions de Chinois. Alors, je suis désolé. Hein. Ah, je suis désolé. Ah, que coucou, ah, que coucou, que coucou. Donc voilà. Ah, tout simple, faut dire que
Il y a des chansons qu'on connaît bien, des chansons qu'on connaît pas très bien, mais on les entend, on les rentend, on les rentend. T'en vas pas si tu m'aimes. Ça, c'est en 90, hein, les enfants, en 90, en même temps que Vanessa Paradis qui a sorti en même temps, carrément, mais en plus. Alors, c'est T'en vas pas, papa. Et Vanessa Paradis, c'est Joe le taxi. Joe le taxi, voilà, il y a des choses comme ça. Ça, c'est pas dans les années 80, hein. Attention, hein, c'est 90. Hein. Bon, bien sûr, après, Master Boy, etc., toutes ces conneries-là. Toutes ces conneries, entre guillemets, bien sûr. Mais quand on parle d'artiste, quand on parle d'artiste, moi, pourtant, la techno, c'est pas mon dada. Mais la techno, pour moi, c'est plus une musique. Pour moi, personnellement, bien sûr, c'est plus une musique. Mais bon, c'est quelque chose qu'on peut remixer, scratcher, tout ce que tu veux, la transformer, ceci, c'est vrai. Mais moi, quand je vois un DJ, quand je vois un DJ qui remixe bien, moi, ça me plaît. Mais quand tu veux voir un spectacle, alors là, ça, c'est véridique et ça, je peux même pas contredire, c'est voir un spectacle. Quand je vois un spectacle, c'est plus un DJ qu'il faut que je vois. C'est quasiment un vrai groupe. On peut prendre le groupe Kool & The Gang, on peut prendre le groupe Ottawan, on peut prendre le groupe on peut prendre Phil Collins, on peut prendre comment dire, ZZ Top, bien sûr, d'autres artistes, hein, et bien d'autres encore qu'on n'en parle pas, qu'on entend aussi, et ceux-là aussi qui sont dans la rue, qui arrivent à faire des morceaux extraordinaires et très très étonnants, bien sûr. Donc tout simplement, faut dire que tout simple, un chanteur est un chanteur, donc un musicien est un musicien. Alors, dans le domaine de la musique, je me suis toujours accroché envers les musiciens. Pourquoi? C'est à force de fréquenter des musiciens que j'ai eu le goût de la musique en elle-même. Hein. J'ai fréquenté beaucoup de monde et en temps mon âge, j'étais quand même dans le domaine de la musique, qui veut dire que j'ai toujours admiré la musique. Même essayé de parler avec des gens qui sont professionnels dans le domaine. Et j'ai toujours eu des contacts assez là-dessus. Donc voilà. Mais pourquoi raconter tout ça? Que les gens ont du mal à comprendre que les musiciens, c'est un autre monde qui n'a rien à voir avec les DJ. Hein, qui n'a rien à voir avec les DJ. Les DJ vont prendre des platines, ils vont faire ce qu'il faut. Moi, je sais de quoi je parle parce que je suis dans le domaine. Mais bien sûr, il y en a qui vont aller scratcher, vont faire d'autres trucs, vont faire des transformations de la musique. Bon, ils sont reconnus artistes, mais pas artistes comme un artiste lui-même qui compose. Il y a des DJ qui composent, qui font de la composition, qui transforment la musique, en transformant la musique, qui fait des tas de trucs. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais il faut le faire. Vous voyez? Mais on crée de la musique à soi-même, c'est tout simplement avec. Il y en a qui utilisent Ableton, hein, un logiciel Ableton pour essayer de retransformer. Il y en a d'autres qui vont le faire avec GarageBand, il y en a d'autres qui vont le faire avec le logiciel de Windows, un tas de trucs comme ça. Il faut aimer, faut avoir sa passion musicale et essayer de faire ce qu'on veut. Et voilà. Mais quand tu vois sur scène un guitariste, un batteur, un bassiste, un trompettiste, un saxophoniste, etc., 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 faut comprendre que là, c'est des instruments de musique, des tonnes d'instruments de musique. Qui fait un son différent, qui fait des choses qu'il faut faire. Et qu'une machine qui fait tout ça en un seul coup, oui, ça fait moins de place, je l'avoue, mais bon, voilà. Donc, faut voir, faut dire, voilà, tout simplement. Bref, chacun son truc. Alors, pour moi, mon top 50, eh ben, j'en aurais pas. Parce que il n'y a pas de classement pour moi. Il y a des musiques que je vais beaucoup aimer, des musiques que je ne veux pas aimer, des musiques que je ne considère même pas ça comme de la musique, j'appelle ça de la daube, des musiques, etc. Et pourtant,
C'est comme ça qu'on évolue la musique. Ah, il y a aussi un autre artiste aussi que j'aime bien, c'est Monsieur Gainsbourg. Ah, lui aussi, c'est un artiste. Il est parti aussi, mais bon. Il est parti, Monsieur Gainsbourg. Mais Gainsbourg, qu'est-ce que j'aimais bien, c'est qu'il transformait les chansons en fond de la batterie. Le jour de gloire est arrivé. Aux armes, citoyens. Aux armes, citoyens. Bah, ça, c'est pas mal aussi, tu voyais. Bah, elle a eu un problème, cette chanson, juridiquement, bien sûr. Elle a eu un problème, cette chanson. Et elle a interdit de la diffuser, etc. Mais je mettrai Gainsbourg. Te mets là-dessus. Tiens, niqué. Voilà, c'est ce qu'il a fait, la régie, il l'a fait, et au jour d'aujourd'hui, elle a le droit de passer dans les ondes. Un peu bizarre, hein. Voilà. Et pas qu'aujourd'hui, bien sûr, hein, je parle de ça. Après, bon, bien sûr, un tas de trucs, et après, il y a d'autres artistes, des petits artistes, des grands artistes, des moyens. Alors, il y a aussi un chanteur que j'aime bien, c'est Quand la musique sonne, 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 quand la musique sonne. Voilà, c'est très connu ça aussi. Hein. Quand la musique sonne, voilà, ça c'est. Voilà, c'est lui qui a écrit des chansons pour Céline Idiot. Pardon, Céline Idiot. Voilà, tout simplement. Voilà, il n'y a pas à dire, à chercher qui est le top, qui est pas le top. Il y a Johnny, il y a des Cribbers, il y a des Mitchell, il y a des Cochrane. Oh. C'est des grands artistes, tout ça. Et chacun est comme il est, dans le terme. Ah, bien sûr, il y a aussi un chanteur aussi qui est connu aussi, qui est très connu, qui est chanteur français aussi, qui est vachement extrêmement connu. C'est tout simplement la sardine Sardou. Et ouais. Oui, mais bon, il a un caractère un peu cochonnet. Hein. Voilà. Il y a aussi notre ami Carlos qui est un artiste comédien. Un chanteur comédien, qui veut dire, il chante pour les enfants, il aime bien le français. Big bisou, pardon, pardon, big bisou, pardon, pardon, sur la bouche, tu l'ancien, ah, des choses comme ça, tu vois, c'est quelque chose de bien. Ah, c'est de la musique, voilà. Et alors, quand vous entendez, on va s'aimer sur une étoile, on va s'aimer d'été, bah, là, ça aussi, c'est de la chanson, c'est tout. Alors, voilà. Bon ben j'espère que vous allez voir prochainement des bonnes choses. Hein, voilà. Donc aujourd'hui j'ai pas présenté tous les disques comme était prévu, car je m'attendais pas à ce que ça va être aussi compliqué de faire tout sortir. Faut dire j'ai quand même pas mal de vinyles. J'en ai déjà j'ai une cinquantaine de vinyles sur mon fly, et sur l'autre là-bas il y en a pas mal aussi. Donc voilà. Et bien sûr, dans mon camion, n'oubliez pas qu'il y a des vinyles aussi. Donc voilà, c'est ça. Bon allez, salut. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. J'espère que vous allez me comprendre que la musique est la musique. J'ai pris mon petit déjeuner avec du chocolat. Et c'est pour ça que je mange le chocolat. Voilà, allez, je vous remercie. Bye Ah, que coucou. Vous savez pourquoi je dis à coucou? Parce que je l'aime bien quand même, ce petit con. Voilà. Bye bye.